Aujourd'hui, c'est la pose de la première pierre de notre siège social, puisque le siège social est au Mans, le siège administratif étant à Angers et on a un autre site sur Laval. Ce projet avec M. Boulard, le maire du Mans, on a trouvé ce terrain sur la route de Laval, donc pour nous à la fois desservi par le tramway et également proche de l'entrée du Mans venant de Laval ou d'Angers. On a fait un concours d'architecture, on a eu une dizaine de cabinets d'architectes qui ont répondu. On a présélectionné 5 qui ont fait vraiment un concours approfondi et c'est le cabinet AYA qui a été finalement retenu, un cabinet nantais. L'idée d'origine du projet a été de réaliser un bâtiment qui libère en grande partie le sol, c'est-à-dire de faire un bâtiment relativement compact, un bâtiment haut qui utilise au maximum la constructibilité et qui permette de venir se positionner à l'angle du boulevard pour vraiment positionner le bâtiment en image d'entrée de ville. Le confort, c'est effectivement en grande partie l'acoustique, la lumière naturelle. Aujourd'hui, le bâtiment est conçu pour apporter de la lumière naturelle à tous les postes de travail en premier jour. Ça va accueillir d'abord 250 personnes qui travaillent aujourd'hui sur la rue Prémartine. On accueillera aussi des formations. Une salle de conférence de 250 places et puis également un restaurant inter-entreprise pour les entreprises du quartier qui pourront y être accueillies, qui pourra servir à peu près entre 400 et 500 couverts tous les midis. Il y a plus de 80% des entreprises qui seront du territoire. Il y aura 130 personnes à peu près qui travailleront sur le site quand il sera en construction. Donc c'est un chantier vraiment important pour nous et puis important aussi, je pense, pour l'économie du territoire.